pédagogique de l'école du tournesol qui commencera mercredi le 10 juin. Lors de ton arrivée, comme tu peux remarquer, tu viendras t'installer en file indienne sur les petits pots de couleur au sol. Comme tu peux remarquer, certains d'entre vous auront un sac à dos, d'autres auront uniquement leur boîte à linge. L'important est de te rappeler que tu ne peux amener ton sac à dos que la première journée. Ensuite, tu viens avec ta boîte à lunch et un lunch froid. Sur ce, rentrons à l'école! Ouais! Les élèves du premier cycle entrent par la porte B. Les élèves du deuxième cycle entrent directement dans le petit tournesol. Finalement, les élèves du troisième cycle entrent par la porte E qui se trouve entre le gymnase et le petit tournesol. Lorsque tu rentreras dans l'école, la première chose que tu vas faire est de te laver les mains pour s'assurer de respecter les normes d'hygiène. La personne derrière toi doit garder sa distance de 2 mètres et ensuite, lorsque tu as fini, elle avance à son tour pour se laver les mains. Ouais! Merveilleux! Sur la cour d'école et dans l'école, n'oublie pas de respecter une bulle de 2 mètres entre ton corps et celui des autres. De plus, lors de tes déplacements dans l'école, tu dois toujours garder la droite. Finalement, garde tes mains sur toi. Évite de toucher aux objets qui t'entourent. Lorsque tu rentreras dans l'école, il est important de ne pas t'arrêter au casier. Tu marches directement vers ta classe. Ici, nous faisons un exemple où on arrête forcément au X pour te montrer les X au sol. Avant de rentrer en classe, il est important de te désinfecter les mains grâce au Purel. Lorsque tu attends sur ton X pour respecter la distanciation sociale de 2 mètres. Ensuite, tu vas directement t'asseoir à ton pupitre.